Bonjour à toutes et à tous, ici et sur les réseaux. Bonjour à tous les deux, Corinne Royer, Mathieu Ansaloni. On est très content de vous réunir dans le cadre des fractions autour de ce qui s'appelle « Tragédie de nos campagnes » et qui est évidemment au centre du dernier roman de Corinne Royer, « Pleine Terre », paru en août 2021, donc dans la dernière rentrée littéraire de septembre, comme on dit, aux éditions Actes Sud, où Corinne continue un parcours de romancière qui l'a fait s'intéresser parfois à des questions assez documentaires. On pourrait citer « Ce qui nous revient », le précédent roman, qui s'intéressait à la vie de Marthe Gauthier, découvreuse volée d'une découverte dans un tout autre domaine scientifique. Et donc l'aspect des rapports entre documentaire et littérature, qui est le cœur de ce festival, est déjà d'emblée au cœur de votre travail. Mais dans Pleine Terre, c'est encore plus prégnant, ne serait-ce que par cette précaution, qui a un statut souvent juridique, et je me suis dit que c'était peut-être encore autre chose, c'était presque de l'ordre moral aussi, et par rapport à la littérature, il y a un avertissement, je ne vous le lis pas en entier, mais c'est l'avertissement classique. Ce texte, bien qu'inspiré de faits réels, est une fiction, s'il emprunte à une histoire vraie. Donc déjà, vous changez les termes de l'habituel petit vocable juridique, mais cette précaution dit quelque chose. Et cette précaution dit aussi ce que ne font pas tous les romans comme ça, puisqu'il suffit parfois de prendre quelques libertés avec les noms et les faits pour s'en débarrasser, que ces faits sont réels, que cela existe. Cela existe, c'est quoi? C'est par l'histoire de Jacques Bonhomme, l'illustration à titre individuel et collectif de la souffrance de la paysannerie française, de celles et ceux qui la font, de ce qu'on appelle la crise, hein, une crise comme on en a dans toutes sortes de domaines, et donc la crise du monde agricole. Et on entend parler souvent de vagues de suicides. On en entend parler, mais ici, ils sont aussi au cœur du livre, avec des personnages de fiction qui nous rendent ça plus palpable. Et tout ça, c'est documenté au cœur du livre. On va assez vite rentrer dans cette affaire. Ce que ça raconte nous intéresse, les documents que Corinne a utilisés nous intéressent aussi, mais nous avions évidemment besoin d'un spécialiste pour nous éclairer encore sur les rapports. Ce qui est formidable dans ces rencontres de collusion, c'est que les deux se sont lus. Hein. On n'a pas juste une caution scientifique, on a un scientifique, Mathieu Ansaloni, qui a également lu le roman de Corinne Royer, et on a eu l'occasion d'en discuter un peu tous les deux. C'est les rapports entre ces deux matières qui nous intéressent. Mais évidemment, il y a des choses à raconter et à expliquer sur cette crise. Mathieu Ansaloni, avec Andy Smith, a notamment publié « L'expropriation de l'agriculture française, pouvoir et politique dans le capitalisme contemporain ». Et il y dresse un inventaire, une analyse, une synthèse, un historique, et il tente même quelques aspects prospectifs sur tout cela qui va si mal, comment peut-être cela pourrait-il tourner autrement. Mais commençons par le livre de Corinne, Pleine Terre, et pour entrer pleinement dans la matière, Corinne, je vous ai proposé, vous avez gentiment accepté, de nous en lire un extrait qui est assez tôt dans le roman, qui a ce grand intérêt d'avoir un double statut, je pense, littéraire et documentaire, qui nous permet de contextualiser les choses et qui permettra sans doute aussi après à Mathieu de nous les contextualiser encore un peu plus loin. Donc je vous passe cet extrait, Corinne, c'est page 16, si vous voulez bien. Je mets mes lunettes pour ne pas romancer le roman. Je vous remercie. Alors, il ne voulait plus être bercé par les plans de compétitivité et d'adaptation, la politique agricole commune, la course au rendement,
la sacralisation du modèle intensif, la surexploitation et les monocultures de masse qui rongeaient les terres, polluaient les eaux, empoisonnaient les hommes, éradiquaient les petits paysans. Il s'était toujours méfié de l'agriculture productiviste, ses élevages concentrés, spécialisés, générant endettement et épidémies, favorisant l'agro-industrie avec des tonnes de tourteaux de soja distribués à un bétail fait pour pâturer dans les champs. Il était persuadé que cette modernité était dépassée, qu'elle était même le contraire du progrès. Il affirmait que pour soigner l'avenir, les agriculteurs devaient inventer des possibles qui panseraient le cœur des hommes en même temps que les plaies du vivant. Il l'avait déclaré à maintes reprises, en son nom et en celui des disparus qui remplissaient les colonnes nécrologiques des journaux. Il fallait que l'hécatombe cesse. On ne pouvait plus ignorer le comptage macabre des éleveurs terrassés par le désespoir. Ils devaient pouvoir vivre de leur travail, sans assistanat ni mise sous tutelle, sans ce matraquage de normes seulement adaptées aux grandes exploitations. Il s'était exprimé dans la presse, il avait défendu ses positions lors de réunions syndicales, il avait été porte-parole de la Confédération paysanne. Très tôt, avant même les premiers contrôles administratifs à la ferme des Combettes et les sanctions qui avaient suivi, il s'était demandé s'il saurait parler pour les autres, s'il saurait dire l'humiliation et la peine avec des phrases assez aiguisées pour trancher le mal à la racine, et la dépossession, et la honte, et l'affront fait aux ancêtres qui avaient transmis des terres fertiles, l'or vert devenu plomb. Merci Corinne. J'ai envie d'emblée de saisir Mathieu, que je voyais déjà noter quelque chose, pour vous dire, d'ailleurs peut-être même aussi également subjectivement, hein, avant de nous expliquer le pourquoi de tout ça, hein, de quoi il retourne et d'où ça vient, ce que vous dit un passage comme ça, de ce que vous, vous connaissez de ces réalités-là, et puis en tant que lecteur, en tant qu'individu. Mais ce que dit ce passage, c'est l'expression d'une partie, et sans doute de la majeure partie du monde agricole français, l'expression de la souffrance qu'a Lévis. Souffrance qui est liée au fait que ces personnes vivent la disparition de leur monde. Hein? On sait que la population agricole française se réduit de manière drastique. On est à peu près à 400 000 agriculteurs aujourd'hui. Il y en avait 650 000 au début des années 2000. Il y en avait 1 million en 1990. Il y en avait 2 millions en 1980, etc. Donc c'est un monde qui disparaît, et ce sont des personnes qui sont attachées à leur métier, qui sont attachées à leur savoir-faire, qui sont attachées aux terres qu'ils ont souvent héritées de leurs parents, qui souffrent et qui se voient sans avenir, à tel point que bon nombre d'éleveurs en place dissuadent leurs propres enfants de prendre leur suite. C'est quand même assez, quelque chose d'assez terrible. Donc oui, il y a une hécatombe, le terme est donné. Et après, du point de vue de l'analyse, si vous voulez, d'un point de vue, disons, sociologique, cette hécatombe, évidemment, n'est pas le fruit d'une fatalité, il n'y a pas de fatalité. Disons, quand on est sociologue et quand on prend de l'âge en général, je vois qu'on ne croit plus à la fatalité, mais c'est le fruit tout simplement d'une politique agricole, une politique agricole qui organise le déclassement de la plupart des agriculteurs au profit, en fait, d'une minorité d'entre eux. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important, moi, que je tiens à souligner, si on parle de contextualisation, hein, sans rentrer dans l'analyse de pourquoi la politique agricole génère la disparition de la plupart des agriculteurs, etc., c'est que le livre de Corinne Royer illustre très bien, moi je trouve de manière très convaincante et de manière très touchante, la souffrance d'une partie de la paysannerie française, mais d'une partie de la paysannerie française. C'est-à-dire qu'il y a une autre partie, il y a une élite qui tire profit de ces souffrances, en s'accaparant les terres, en s'accaparant les moyens de production, en s'accaparant les aides de la PAC, etc. Donc il y a une dimension
qu'il ne faut pas éluder, je pense, qui intervient en pointillé, c'est pas l'objet hein, du récit qui est proposé, mais qui est que voilà, cette situation qui est dramatique pour beaucoup suscite des phénomènes d'embourgeoisement et de notabilisation d'une partie des agriculteurs en place. Juste pour rebondir par rapport à ça, effectivement, Pleine Terre s'attache à ce qu'on peut appeler des fermes moyennes. D'ailleurs, le terme de paysannerie, qui était devenu un terme presque vulgaire et méprisant, est à nouveau réutilisé et revalorisé dans les discours politiques aujourd'hui. Mais en réalité, ce qu'on demande à ces petites ou moyennes exploitations, c'est de devenir des chefs d'exploitation. Et ce mot chef d'exploitation est quand même lourd de sens. Et peut-être, en tout cas, ce que Pleine Terre essaye de dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de... pour justifier cette hécatombe, effectivement, on a beaucoup parlé des problèmes économiques, on a beaucoup parlé des revenus, de l'endettement, du surendettement de ces petits paysans, mais on commence aujourd'hui à peut-être un peu plus se tourner vers des études sociologiques qui analysent la perte de sens, tu en parlais au début de ton intervention, et je crois que c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est vraiment cette perte de sens, c'est-à-dire que ces paysans-là, ces petites fermes, ces moyennes fermes, ne se reconnaissent pas du tout dans ce terme chef d'exploitation. Moi, dans les agriculteurs qui sont venus lors des rencontres et puis tous ceux que j'ai rencontrés pour nourrir ce texte, beaucoup m'ont tenu le discours suivant qui était de dire ben, on a choisi ce métier comme un espace de liberté. Et effectivement, dans l'imaginaire collectif, le métier d'agriculteur peut incarner cette liberté. Aujourd'hui, il se trouve qu'il n'y a pas plus contraint qu'un agriculteur, qu'un paysan. On lui dit ce qu'il faut faire, on lui dit combien d'hectares il doit avoir, on lui dit quel type d'intrants il doit mettre sur ses terres, on lui dit quelles semences il doit utiliser. C'est-à-dire que tout cet espace de liberté qui a été un choix initial, bah, aujourd'hui il s'écroule. Et peut-être plus que la dimension économique, moi je veux insister sur cette notion de perte de sens. Voilà. Et quand les agriculteurs d'aujourd'hui conseillent à leurs enfants de ne pas reprendre les fermes, alors c'est une vraie problématique hein, quand on connaît le nombre d'agriculteurs qui vont être à la retraite dans les 10 ans à venir, c'est vraiment quelque chose qui fait problème. Et on sait que cette logique familiale qui faisait qu'on reprenait les fermes effectivement de père en de fils en père, etc., elle est en train de s'écrouler complètement. Mais encore une fois, parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants connaissent cette perte de sens. Vous répondez en écrivaine, et c'est logique, vous vous intéressez aux mots. Cela dit, hein, le scientifique use aussi des mots pour qualifier. Vous avez parlé d'abord de chef d'exploitation. Voilà, vous concentrez sur un mot, et ça, je trouve ça intéressant aussi. Je pense que c'est aussi un des aspects du livre, hein, et ce qui fait sa spécificité et littéraire également, c'est-à-dire que le langage, il y a une grande importance, et à différents endroits. On y reviendra, mais avant le langage, et pourquoi le langage a une importance, pourquoi Jacques Bonhomme écrit une lettre, hein, et qu'il a les moyens d'écrire une lettre parce qu'il est lettré, etc., on en parlera. Avant d'aller vers ce langage, j'aimerais d'abord parler du silence. En fait, parce que le livre, il a aussi cette fonction-là, et cette lettre de Jacques Bonhomme à la fin du livre, elle a aussi cette fonction-là, c'est-à-dire faisant littérature et inventant cette lettre, hein, qui n'est pas en rapport avec la lettre de celui à qui il a... Voilà, c'est pas la même, c'est pas la vôtre, mais c'est vous qui l'écrivez, donc l'inventez, donc fictionnez et faites de la littérature. À cet endroit-là, il y a l'idée de mettre du langage là où il y a trop de silence, je crois. Parce qu'il me semble aussi que et là on pourrait citer plein d'extraits du livre sur ce qui se passe, sur l'érosion du sens, le suicide agriculteur est quelque chose qui se fait dans un grand silence, dans un grand épuisement et en étant à bout, enfin le suicide souvent, hein, évidemment, quand c'est pas un appel, c'est souvent dans du silence. Et j'aimerais vous poser cette question-là, c'est-à-dire comment ça vous a touché vous-même, comment vous êtes senti en nécessité ou en responsabilité appelé par ça, comment
vous avez rencontré le sujet déjà d'une part, et comment vous avez décidé de l'écrire et de l'écrire en roman? Oui, alors moi je vis près de Saint-Étienne, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, dans le parc naturel régional du Pilat, et donc je vis au milieu des agriculteurs en pleine campagne. J'ai moi-même grandi dans une ferme, donc c'est effectivement un sujet auquel je suis sensible. Et c'est vrai que je me suis rendu compte il y a déjà un certain nombre d'années que les histoires qu'on se racontait autrefois dans les fermes, qui étaient des histoires de vélage, de naissance, de récolte, qui étaient souvent des histoires joyeuses, sont devenues effectivement au fil des ans des histoires assez terribles. Alors Pleine Terre, c'est pas un roman sur le suicide paysan, hein, puisque le personnage ne se suicide pas. Moi, ce qui m'a intéressé justement, c'est cette question-là, c'est-à-dire précisément un agriculteur qui ne se suicide pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un suicide par jour en France d'un agriculteur. Un agriculteur qui ne se suicide pas, qu'est-ce qui va le faire disparaître quand même, hein, même s'il va continuer de résister, parce que Jacques Bonhomme, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'homme révolté de Camus. C'est-à-dire que c'est un homme qui refuse le système productiviste, qui dit non à ce système, mais qui ne renonce pas. Et parmi ses armes, effectivement, il y a ses convictions. Il y a ses convictions pour sa lutte, il y a ses convictions profondes. Et puis, il y a également tous les livres, parce que dans sa ferme, il y a beaucoup de livres. Alors là, c'est quelque chose... j'ai vraiment tenu à ce que le personnage ait ce trait de caractère. Parce que l'intérêt du roman, c'est aussi qu'il va pouvoir sensibiliser à des sujets, des gens qui n'auraient jamais ouvert la presse spécialisée sur l'agriculture, qui ne se seraient jamais tournés sur un essai autour du monde agricole. Le roman, c'est une question d'attachement à des personnages. Donc, même si on ne s'intéresse absolument pas à l'agriculture, effectivement, il y a une histoire d'amour, il y a plein de sujets parallèles traités dans ce texte. Et... le fait que ce soit quelqu'un qui est vraiment l'amour des livres, l'amour des mots. Il y a un personnage qui dit à un moment que tous ces mots qui sautillent dans les pages, dans les livres, ça l'aidait à faire danser la vie. Et c'est vraiment ça pour ce personnage. Et il va donc utiliser ces mots pour écrire cette lettre. Et bon, moi, je visite un certain nombre de bibliothèques de temps en temps, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est vrai que la plus belle bibliothèque que j'ai vue dans ma vie, c'était dans une ferme, c'était chez un agriculteur. Et donc, je tenais à ce qu'il y ait cette dimension-là qui allait à l'encontre de l'imaginaire collectif, où les gens, souvent dans les grandes villes, croient encore que les agriculteurs sont des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leurs bottes et qui ne sont pas des gens instruits. Moi, j'ai vraiment rencontré des agriculteurs, des porte-paroles de la Confédération paysanne qui ont un vrai regard sur l'avenir, une lucidité incroyable sur nos modèles de société. Et c'est pour ça que ce personnage, Jacques Bonhomme, il a vraiment ça, il a vraiment cet amour des livres et que les mots sont importants pour lui. Et d'ailleurs... vous retissez les deux, des gens instruits effectivement, mais y compris durement instruits, c'est-à-dire que les études pour devenir chef d'exploitation me semblent aussi une forme de technicité. Enfin, je me tourne vers vous, Mathieu, parce que vous connaissez ces filières-là. Le métier, il a changé dans cette dureté-là d'apprentissage aussi. Il y a toujours la dureté des longues journées, de la rudesse du travail, mais il y a en plus, j'étais en train de me dire tout à l'heure, ouais, un agriculteur, il fait des fichiers Excel, quoi. Le soir, quand tout ça est terminé. Ouais. Je ne suis pas sûr que dans le chemin qui mène à l'installation agricole, le critère du diplôme soit le plus contraignant. Je pense que très clairement, la sélection se fait davantage sur le capital économique dont dispose la personne, la patronne, dont dispose le candidat. Le critère du diplôme existe pour bénéficier de certaines aides, notamment la dotation jeune agriculteur, qui est la politique qui favorise en France l'installation agricole. C'est une politique d'investissement, très clairement. Mais bon, si on suit les travaux de certains sociologues, je pense notamment à Jacques Rémy, qui a bien montré que dans les critères qui étaient imposés par la profession, par les syndicats agricoles dominants, le critère du diplôme est un critère important, parce qu'il permet d'écrémer parmi les prétendants, mais il ne s'agit pas de passer la barre trop haute, de telle manière non plus à ne pas se pénaliser, quoi. Moi, je... Voilà. Après,
par rapport à ce que décrit Corinne, il y a quelque chose pour moi qui me semble très très vrai et très et qui me semble très s'inscrire dans une réalité, et qu'il y a une frange de la population agricole qui n'est pas la frange qui accumule le capital économique le plus important, mais qui en revanche dispose d'un capital culturel qui est significatif et qui se positionne très clairement, qui développe une réflexion sur sa place et son rôle dans la société, une réflexion qui est à la fois individuelle mais qui s'inscrit aussi dans des organisations. Et par exemple, pour illustrer ce point quand Corinne faisait mention de la perte de sens, du sentiment de perte de sens qu'éprouve une part importante des agriculteurs, moi ça me faisait penser à des mouvements d'agriculteurs en Bretagne qui, dans les années 70, en fait, se sont opposés au modèle productiviste et qui ont créé c'était une association, c'était le Centre d'études pour le développement d'une agriculture économe et autonome. C'est-à-dire qu'ils disaient, nous, paysans modernisés, qui avons adopté le schéma productiviste, nous sommes devenus des producteurs à façon. Le producteur à façon, c'est-à-dire que la coopérative nous dit ce qu'on doit produire, voilà, et nos savoir-faire, notre autonomie décisionnelle s'est réduite à néant. Donc ça, je pense que c'est véritablement quelque chose qui est très important, cette notion, ce constat de perte de sens. Et dans le livre, moi je pense que c'est parce qu'il y a des personnes, s'il y a des tragédies comme celle qui est décrite dans le livre, c'est parce que les personnes sont justement dans un état de désolation qui est très marqué. Il y a sans doute la question de l'endettement qui peut être pesant, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement cette perte de sens qui fait qu'à un moment donné, les contrôles de l'administration constituent la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en quelque sorte, et qui fait que le quotidien devient insupportable et que la personne déraille, en quelque sorte, quoi. Pour nommer les choses, parce que vous tournez autour, vous avez parlé des organisations, et je me dis que les deux organisations que je vois là en face, l'une et l'autre, illustrent bien le propos. C'est-à-dire que d'un côté, on a la Confédération paysanne, et on a parlé du mot de paysannerie, et de l'autre, la FNSEH était en train de décrypter l'acronyme, c'est exploitant agricole. Donc pour nommer les choses et les dire politiquement aussi, est-ce que l'affrontement se réduit à ça ? À un choix qu'il faudrait faire entre l'une et l'autre, selon vous, ou est-ce que c'est encore plus compliqué que ça ? Alors, je pense qu'effectivement, cet affrontement-là, c'est vraiment deux visions, c'est vraiment deux modèles qui s'opposent. Mais au-delà de l'opposition de ces deux modèles, je crois que ce qui est extrêmement, enfin en tout cas c'est mon avis, hein, et je l'assume, ce qui est extrêmement préjudiciable, c'est ce qu'on pourrait appeler les conflits d'intérêts, c'est-à-dire que quand on sait aujourd'hui que les gens qui décident, qui influent sur les politiques, sont aussi des gens qui ont des intérêts privés dans des groupes d'agro-industrie considérables, qui ont des fonds d'investissement, qui ont tout intérêt justement à continuer de développer ce système productiviste, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que tant qu'on laissera les mêmes personnes à la même place, les décisions seront les mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, la FNSEA affiche très clairement la politique qu'elle souhaite voir mise en place et voir perdurer, qui est vraiment cette politique du tonnage, du volume, et qui va à l'encontre qui va vider nos campagnes. C'est-à-dire, moi, c'est quelque chose qui presque me traumatise. Imaginez dans quelques années se promener dans la campagne française et ne plus voir de bétail dans les prés, ne plus voir que d'immenses bâtiments fermés. Aujourd'hui, 82% des animaux d'élevage en France le sont dans des bâtiments fermés. C'est quand même effrayant. Est-ce que vraiment le modèle... Alors, souvent, on me répond, mais c'est pire ailleurs. Mais ce n'est pas une raison. Est-ce que vraiment le modèle sur lequel on veut s'appuyer, c'est par exemple en Chine des tours de 9 étages avec 1000 cochons par étage ? Est-ce que c'est les États-Unis où 50% du lait produit provient de fermes de plus de 1000 vaches ?
Il faut bien comprendre que tout ça, c'est pas une question de campagne, en fait. Parce que quand on parle de ces sujets-là, on parle aussi de notre santé, on parle aussi du bien-être animal, on parle aussi de toutes les répercussions sur l'environnement. Donc, c'est aussi ça que, dans Pleine Terre, j'ai essayé de poser comme question. C'est est-ce que c'est pas un vrai sujet de société, au-delà de dire ah bah ça concerne les agriculteurs, ça concerne la campagne, tant pis s'ils disparaissent, si les petits disparaissent au profit des gros. Non, c'est vraiment un problème de société. C'est vraiment un problème de mode de vie. Mathieu, d'où ça procède? C'est-à-dire, dans ma tête, et dans, voilà, j'ai les années 50, les 30 glorieuses, il faut nourrir la France, quelques lieux communs qu'on a sans doute un peu tous. Vous l'avez déconstruit, le fil reconstruit. Est-ce que vous pourriez nous nommer justement d'où ça procède? Parce que pour se dire comment ça pourrait changer, peut-être savoir comment ça a été décidé. Parce que... des choses qui est intéressante aussi, c'est de se dire que c'est pas juste une opacité. C'est, on entend parler de la même manière l'Europe, les subventions, ce qui fait souffrir les agriculteurs, et puis ça reste relativement abstrait. Or, il y a de la décision politique, il y a des choix, et à un moment, ils sont institués. La campagne, elle a changé. À partir de quand, sous quelle impulsion, et pour quelles raisons? Vaste question. Ce qui me semble assez déterminant, c'est qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en France, donc la population, il y a plus d'un tiers de la population française qui vit dans les campagnes et qui vit d'une activité de production agricole. Si on suit les ouvrages de sociologie de l'époque, c'était le temps des paysans, c'est-à-dire des personnes qui produisaient pour leur famille, qui produisaient pour les marchés locaux, voilà, qui produisaient dans une logique de complémentarité entre des activités d'élevage et des activités de culture. Donc c'était des fermes de polyculture élevage, etc. Et ça, ce modèle a été balayé. Et ce modèle, en fait, était perçu comme relevant d'un passé dépassé. Hein, vous savez, le paysan, le plouc, etc. Il y avait un racisme social qui est très fort, qui s'exprimait à l'égard de l'agriculture. Et l'idée était de favoriser une modernisation. La modernisation de l'agriculture, c'était le terme. Donc, certes, d'augmenter la productivité agricole, les rendements agricoles, mais aussi de libérer de la main-d'œuvre pour des industries qui embauchaient, notamment dans les villes, etc. Bon. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en place, sous l'égide notamment du pouvoir. Il y avait un consensus politique à ce propos. Mais dans les campagnes, au niveau du travail agricole, ce qui a changé, c'est que le paysan de naguère est devenu un producteur spécialisé. C'est-à-dire un producteur de matières premières, quelqu'un qui produit, par exemple, du lait. Voilà. Et à partir de là, le paysan devenu agriculteur a été intégré dans des filières spécialisées, a abandonné l'acte de commercialisation à d'autres. Et donc, pour mettre en marché sa production, il est devenu dépendant des coopératives ou de négociants. Et si vous voulez, donc il s'est... Voilà. Situé dans une situation de dépendance, dans une position de dépendance à l'égard notamment des entreprises de l'aval. Et progressivement, notamment du fait des réformes de la politique agricole, je ne veux pas détailler les choses, et de la libéralisation des rapports de commercialisation, à partir des... grosso modo, à partir des années 90, si vous voulez, la position de suggestion des agriculteurs à l'égard de leurs acheteurs a été accrue parce qu'on a démantelé certains outils de la politique agricole qui les protégeaient. Il y a eu un retrait des pouvoirs publics dans les négociations commerciales et parce que les acheteurs sont devenus des entreprises de plus en plus grosses. Peuvent elles procéder à un dumping aussi, si j'ai bien compris, enfin, comme les centrales d'achat, et pousser les choses vers le bas, tirer les prix vers le bas, du moins. Oui, tirer les prix vers le bas. Et puis les prix, de toute manière, ils ont été alignés sur les cours mondiaux. On a un alignement des prix sur les cours mondiaux. Donc l'agriculteur, et là je pense que c'est un élément qui est fondamental par rapport à cette question de la perte de sens, l'agriculteur... pour beaucoup, en fait, ne vit plus de sa production agricole.
il vit des aides publiques qu'il perçoit. Hein, c'est-à-dire que dans tout un tas, pour tout un tas de productions agricoles, le lait, mais aussi certaines céréales, les productions agricoles sont achetées à des prix qui sont inférieurs au coût de production. Donc l'agriculteur, il vend à perte. Par exemple, Lactalis, il arrive, il dit, ton prix du litre de lait, c'est 350 euros pour 1000 litres. L'agriculteur, en moyenne, mettons, ils ont, ça leur a coûté 400 euros de produire les 1000 litres. Bon, voilà. Donc il évolue dans cet univers-là, l'agriculteur. Je pense que déjà, c'est quelque chose quand même qu'il faut se rendre compte, c'est quand même assez difficile à accepter. Et face à cette, disons, à cette position de pouvoir des acheteurs qui est liée aux réformes de la PAC, de la politique agricole, des aides publiques ont été allouées aux agriculteurs. Voilà. Des aides publiques, des aides directes, voilà, qui sont des aides qui reposent principalement sur le capital d'exploitation dont dispose l'agriculteur. Donc celui qui dispose de plus de terres va bénéficier de plus d'aides. Donc, ce qui induit forcément une tendance de beaucoup d'agriculteurs à essayer de s'accaparer, de s'agrandir, parce que ce qui les font vivre, ce sont les aides publiques et pas tant ce qu'ils produisent. Et donc, juste un point, ouais. Et je te donne la parole. Moi, ce qui est un point qui me semble important, c'est que la politique agricole, en tant que telle, elle ne récompense pas un bon agriculteur parce que c'est un bon éleveur, parce que c'est un bon ceci, cela. La récompense symbolique et financière va à celui qui a la capacité de s'accaparer les terres de ses voisins. Oui, mais c'était ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'autre effet pervers de ces politiques-là, c'est effectivement de mettre à terre, c'est le cas de le dire, toute la solidarité paysanne, c'est-à-dire qu'autrefois, il y avait une entraide, il y avait une véritable solidarité, et aujourd'hui, on lorgne le voisin en espérant pouvoir récupérer ses terres, parce que si on augmente la dimension, la taille de sa ferme, si on augmente son nombre d'hectares, si on augmente son cheptel, on va toucher plus de subventions. Donc le constat social est également un véritable désastre. Et repassons par le livre. Je pense que c'est le bon socle pour expliquer ce qui arrive également techniquement en fait à Jacques Bonhomme. L'épuisement dans lequel lui se trouve, qui, je le répète, ne le mène pas lui au suicide, mais à une forme de révolte. En tout cas, l'épuisement face à l'absurdité administrative, elle me semble, dépend des deux, à la fois d'un endettement, mais aussi des contrôles. Et ça, c'est intéressant d'en parler, c'est-à-dire que c'est très ambigu cette affaire. C'est-à-dire que les contrôles se font a priori pour des raisons vertueuses. C'est dit comme ça dans le livre par un inspecteur un peu humain, mais ça dégénère totalement. Et ça, c'est un des nœuds narratifs du livre et en même temps quelque chose qui illustre parfaitement là où on est en train d'arriver. Oui, Mathieu parlait de ces subventions. Alors effectivement, quand les agriculteurs sont comme ça mis sous tutelle, parce que c'est véritablement ça, ils vivent de ces subventions, l'administration, en retour, elle a un droit de regard sur ce qui se passe chez eux. Évidemment que c'est ça qui crée ce droit de regard. On vous donne de l'argent, donc on a le droit de venir chez vous, de voir si vous faites les choses comme nous on souhaite qu'elles soient faites. Et on vient comme ça vérifier. Alors ces contrôles, initialement, c'était des contrôles plutôt avisés de conseils. Hein. C'est des contrôles qui datent pas d'aujourd'hui, même si les services vétérinaires sont devenus la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Donc les services ont changé, mais le principe n'est pas nouveau. Sauf que les témoignages qu'on a aujourd'hui d'agriculteurs, c'est que justement ces contrôles qui autrefois pouvaient les aider, avec des agents qui pouvaient leur donner des conseils, aujourd'hui c'est devenu des contrôles qui sont là pour sanctionner. C'est vraiment des contrôles de sanctions. Moi, dans les rencontres que j'ai faites depuis la sortie de Pleine Terre, j'ai eu un nombre de témoignages considérables d'agriculteurs qui sont réellement terrorisés par ces contrôles-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est de plus en plus tendu, ça se passe de plus en plus mal, puisque les agents de l'administration viennent en général de plus en plus souvent avec les gendarmes, justement parce qu'il y a eu des problèmes liés à ces tensions.
Donc on n'est plus du tout dans une dimension de conseil et d'aide, on est vraiment dans une dimension de sanctions. Et comme on le voit dans Pleine Terre, d'un tout petit quelque chose qui est simplement ne pas avoir fait la déclaration de naissance de ses veaux dans les délais impartis, on va voir comment cette machine se met en place, et c'est une véritable machine à broyer. C'est-à-dire que ceux qui refusent de rentrer dans ce système productiviste et de se plier, justement, Mathieu parlait tout à l'heure de tout ce qu'il faut. On parlait tout à l'heure de la paperasse et de toute cette nécessité aujourd'hui pour un agriculteur. Donc tous ceux qui ne veulent pas faire ça et passer beaucoup plus de temps à ça en réalité qu'à s'occuper de leurs terres et de leurs bêtes, ben, sont sanctionnés sévèrement, et c'est un engrenage, enfin, on le ressent très bien dans le texte, je crois, c'est un engrenage. Une fois que c'est parti, une fois qu'on est dans le collimateur de l'administration, on ne peut plus s'en sortir. C'est-à-dire qu'une fois que le troupeau est bloqué parce qu'on n'a pas fait effectivement les papiers dans les délais, quand le troupeau est bloqué, ben on ne peut plus vendre. Quand on ne peut plus vendre, ben on n'a plus de rentrée d'argent. Quand on n'a plus de rentrée d'argent, on ne peut plus acheter de fourrage. Donc à ce moment-là, il y a de nouveaux contrôles qui viennent constater que les animaux ne sont pas nourris correctement, et etc. etc. Et c'est vraiment cet engrenage que j'ai voulu montrer. Et moi, je parle vraiment d'une violence d'État à cet endroit-là, d'une violence administrative et d'une violence d'État vis-à-vis de ces petits agriculteurs. Et ce qui était intéressant pour moi en tant que romancière dans le fait divers duquel je m'inspire, c'est qu'il y avait une double violence d'État. Il y avait la violence, effectivement, de cette administration. Et puis après, une fois que ce personnage, puisque c'est un personnage qui va être en cavale, qui va décider de fuir, de quitter sa ferme, de quitter ses bêtes, qui va être poursuivi par les gendarmes. Il y a aussi la violence du bras armé de l'administration, quelque part. Et c'est peut-être, moi, ce qui m'a en tout cas extrêmement touchée, bouleversée dans cette histoire-là. C'est comment cet homme a pu se retrouver dans cette situation. Alors, on va le suivre pendant cette cavale, on va vraiment tomber avec lui, on va se relever avec lui. Je crois que c'est un des points d'articulation du roman, à quel moment un individu vacille, qu'il soit agriculteur ou qu'il soit n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Moi, c'est vraiment un sujet qu'on retrouve un peu dans tous mes romans. Et quand un personnage est à cet endroit-là, à ce point de vacillement, à quoi il peut se raccrocher ? À ses convictions, bien sûr, à une certaine forme de spiritualité, à ses liens affectifs, à l'amour. Il y a une histoire d'amour aussi dans ce texte, parce que bien sûr qu'il est agriculteur, mais avant d'être agriculteur, c'est un homme. Et il ne faut pas oublier ça, quoi. Il ne faut pas oublier que ces gens sont des hommes et des femmes, quoi. Et c'est quelque chose de vraiment important. C'est effectivement, et on le disait au début, une des multiples fonctions d'un roman que d'incarner. Et il y en a un autre qui est incarné, qui me semble justement un contrepoint nécessaire pour dire qu'il y a de la complexité, c'est Pierre D, je crois, sans regarder sur mes notes, qui est un de ses contrôleurs et qui est une personne humaine et donc faite de scrupules à un moment. Non, je crois que c'était une question. Non, c'est quelqu'un a une question sur les toilettes, c'est au fond, dans la droite. Voilà. Donc Pierre D. Mathieu, vous qui d'une part avez une formation en sociologie et arpenté et le terrain et les structures agricoles, est-ce que vous en avez rencontré pour le coup des opérateurs de cet endroit-là, qu'ils soient ou non pleins des scrupules de Pierre D. Parce que là encore une fois, il y a de l'humain, c'est-à-dire que il y a une machinerie. On en a expliqué la genèse, mais il y a des gens qui sur le terrain font ce travail-là. Comment ils le vivent ? Est-ce qu'ils le vivent aussi mal que par exemple les gens de la NPE, à titre d'exemple, dont on sait qu'ils sont en crise et qui suicident aussi, quoi. Ouais. Alors, juste par rapport à la dimension paperasserie, pour rebondir sur ce que disait Corinne, en fait, il faut voir, donc comme je le disais tout à l'heure, comme on le disait, les agriculteurs vivent principalement des subventions publiques. Donc, pour bénéficier de ces subventions publiques, ils complètent un dossier PAC, un dossier politique agricole commune. Bon, si vous voulez, c'est d'une telle complexité que aucun agriculteur n'est en mesure de remplir lui-même ce dossier.
D'autant plus que les enjeux sont importants. C'est-à-dire que s'il y a des non-conformités, ils risquent de se voir appliquer des pénalités financières et donc de bénéficier d'un montant d'allocation, d'un montant de subvention qui est plus bas. Donc tout ça, ce système de soutien de l'agriculture à travers des aides directes qui sont conditionnées à l'application d'une myriade de normes en matière de protection de l'environnement, de bien-être animal, etc., etc. Bon, en fait, ça a donné naissance à un marché de l'expertise, et voilà, et ça fait les choux gras des chambres d'agriculture, des centres de gestion qui font les dossiers pour les agriculteurs, parce que de toute manière, voilà, c'est quelque chose qui... faut quand même imaginer que ce sont des règles qui sont décidées à l'échelle européenne, bon, pour 27 pays, plus ou moins retranscrits dans chacun des pays, donc c'est d'une complexité... vous lisez le truc, bon, c'est... donc ça, c'est quelque chose... voilà. Après, par rapport à est-ce que les agents de l'administration sont dotés de sentiments ou pas ? Bon, déjà, voilà, l'administration, c'est pas un bloc en fonction des segments de l'administration, même au sein de l'administration agricole. Voilà, certains vont se diriger vers les affaires rurales, d'autres vers les affaires sociales. Ils ont des sensibilités différentes, etc. Bon. Mais moi, j'avais eu la chance de discuter avec une personne... Qui était la directrice adjointe de la principale direction du ministère de l'Agriculture, donc qui gère le budget de la PAC, au moment où ils mettaient en place un mécanisme qu'on appelle dans le jargon la conditionnalité des aides, c'est-à-dire, bon, pour toucher des aides, vous avez des conditions à remplir qui sont le respect de la réglementation dans tout un tas de secteurs. Et elle, ce qu'elle me disait, cette dame, qui était une dame tout à fait... saisissante, vraiment très pour moi très impressionnante et quelque part rassurante de rencontrer des gens comme ça à ces endroits-là. Elle me disait, mais vous comprenez, il faut bien quand même qu'on puisse envoyer nos contrôleurs dans les fermes. Parce que du côté de l'administration, en fait, ils ont très peur aussi. C'est, autant les contrôles chez les agriculteurs sont très mal vécus, autant du côté de l'administration, voilà, ils ont peur tout simplement parce qu'il y a eu des épisodes dramatiques. Voilà, il y avait eu un contrôleur qui avait pris un coup de fusil à l'occasion d'un contrôle, etc., etc. Bon. Donc oui, il y a vraiment, je pense qu'il y a des personnes qui tentent disons de concilier les choses, mais ils les concilient voilà. Si vous voulez, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au sommet de l'administration agricole. Ils tentent de négocier tant bien que mal les règles avec leurs homologues à Bruxelles. Ils prennent en compte les désirs politiques qui sont exprimés au niveau du cabinet, etc., etc. Donc oui, il y a des gens dans l'administration agricole qui ont un véritable souci de l'agriculture, en tout cas une certaine génération. Je voudrais vous poser deux questions un peu de prospective, mais très différentes. Je vais commencer par Corinne. Pour Mathieu, ce sera sur la prospective agricole aussi, hein, parce que le livre s'appelle Pleine Terre et puis parle de la difficulté de transmettre. Enfin, vous l'avez bien expliqué, et pourquoi cette terre à laquelle on est attaché. Mais tout autre chose, cela dit, vous pouvez aussi parler de ça dans ce que je vais vous demander. Il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi dans ce que vous nous avez dit plusieurs fois. Vous avez fait beaucoup de rencontres depuis la rentrée. Et j'aimerais que vous nous parliez de ce vécu-là d'autrice qui, d'une part, dans un premier temps, se documente avant de faire un livre sur des sujets réels, qui donc en fait une fiction, et qui ensuite, venant faire... promotion de ce livre paru dans le commerce, finalement, se fait réinformer et redocumenter. Il me semble que, dans la fonction sociale, si j'ose dire, de l'écrivain, ça change pas mal de choses. Et d'ailleurs, ça rend certainement plus intéressante cette notion de promotion, par ailleurs, soit dit en passant. Oui, alors, on le disait tout à l'heure, le roman... c'est vraiment une fiction, c'est vraiment une œuvre fictionnelle, mais qui s'inspire de ce fait divers qui a eu lieu en 2017. Donc moi, j'ai gardé les faits, les événements qui se sont déroulés, mais mon personnage principal est un personnage de fiction, et tous les autres personnages aussi
que j'allais appeler secondaires, mais qui ne sont pas aussi secondaires que ça, puisque en fait, le livre est construit de telle façon qu'on va suivre cet homme qui va se réfugier dans les bois pendant ses 9 jours de cavale. Donc on va vraiment être au plus près de lui pendant ces 9 jours. Et ces chapitres de cavale vont être entrecoupés par des témoignages de gens qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté, une sœur, un voisin, un copain, et qui vont permettre au lecteur de comprendre comment on a pu en arriver là, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'un agriculteur qui n'a blessé personne, n'a tué personne, n'a même volé personne, soit poursuivi comme un criminel par les forces de l'ordre. Et donc j'ai oublié la question qui était... Qu'est-ce que ça fait justement? Peut-être oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez appris sur le terrain? Voilà, le non, non, hein, simplement pour dire que je m'étais nourrie initialement de beaucoup de témoignages pour justement écrire tout ça. Et ce qui m'a intéressé par rapport aux faits divers, c'était d'aller dans les blancs de cette histoire. Il y a eu à peu près au même moment, au mois d'août, au moment de la sortie du roman, il y a eu 6 articles dans Le Monde écrits par Florence Aubenas sur cette même histoire. Donc elle a fait un travail journalistique, c'est-à-dire qu'elle a rencontré la famille, elle a rencontré les amis, elle a essayé d'expliquer ce fait divers d'un point de vue journalistique. Mais par exemple, la cavale, les 9 jours de cavale de cet homme, elle n'en a pas parlé, parce que ça fait partie des blancs de l'histoire. Personne ne sait ce que cet homme a fait pendant 9 jours. Et moi, bien sûr, qu'en tant que romancière, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était l'endroit où le témoignage journalistique ne pouvait pas avoir lieu. Et pour nourrir ça, pour venir remplir ce blanc-là, j'ai eu besoin de me documenter, j'ai eu besoin de rencontrer beaucoup d'agriculteurs. En réalité, ça faisait un paquet d'années que je remplissais des petits carnets sur ce que les gens me racontaient. Il y a des histoires qui sont dans le livre, et notamment cette histoire d'agriculteur qui dit à un moment que ses plus vieilles vaches ont un âge supérieur à celui de leur fils quand leur fils est mort. Donc ça, c'est des choses qui ont vraiment vécu, quoi, vraiment racontées. Et puis après, une fois que le livre est sorti, que le livre s'est nourri de tout ça, bah oui, il y a les retours, c'est-à-dire quelle est la perception de ce livre-là par les gens, je dirais par 2 types de publics, par un public qui n'est pas tellement concerné par cette question de l'agriculture, mais qui s'est intéressé au roman parce qu'on en a parlé dans la presse, parce que ce qui les a intéressés, c'est l'histoire d'amour, ou c'est l'histoire du rapport de cette mère avec son fils handicapé, qu'elle n'arrive plus à regarder. Il y a plein d'entrées, en fait, possibles dans un roman. Et puis, il y a eu les retours d'agriculteurs qui sont venus aux rencontres et qui ont parfois donné lieu à des débats jusqu'à très tard le soir. Moi, j'ai fait... des rencontres de 5 ou 6 heures. Ça a été vraiment des très, très grands moments. Et moi, j'avais un petit peu cette appréhension, c'est-à-dire qu'initialement, je me suis dit, mais bon, je ne suis pas... Bien sûr que je connais bien ce monde-là, bien sûr que je vis avec, mais je ne suis pas agricultrice. Est-ce que je peux parler au nom de ces gens-là? C'est un peu la question que Jacques Bonhomme se pose, d'ailleurs, dans le roman aussi. Et c'était pour moi un retour extrêmement important, bien sûr qu'elle allait être la perception de ces gens-là. Et en réalité, ils sont extrêmement heureux majoritairement qu'on sorte ce sujet des campagnes, justement, qu'on emmène ce sujet ailleurs que dans les campagnes. Et donc, pour l'instant, je touche du bois, j'ai eu effectivement des témoignages extrêmement... poignant, allant dans le sens de ce texte-là. Et quand j'ai reçu le prix le prix au festival de Moins-Sartoux, y a un agriculteur qui m'a écrit et qui avait vu dans la presse qu'on allait me remettre ce prix-là pour Pleine Terre, et qui m'avait écrit un petit texte en me demandant si lors de mon discours de remise de prix, je pourrais lire ce texte. Et c'était un moment absolument magnifique, extrêmement poignant. Et donc j'ai lu ce texte après dans beaucoup de rencontres. Donc j'ai porté aussi ces voix-là, j'ai reçu beaucoup de courriers, j'ai eu beaucoup de témoignages et l'appréhension de me dire que peut-être ils n'auraient pas envie que d'une certaine façon je parle à leur place, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise maintenant.
Merci. Comment la littérature se nourrit du réel et se réinscrit dans le réel. Enfin, cette boucle-là me semble assez importante aussi et au cœur des préoccupations du festival, mais qui sont aussi quelque chose de contemporain sur la fonction de l'auteur à cet endroit-là. Et autre prospective, Mathieu, parce que là, il s'agit, et par nécessité littéraire, on l'a bien compris, l'idée, c'est pas de faire un inventaire, un catalogue, ni un guide. Donc, il y a forcément des angles morts qui sont ceux de ceux qui veulent venir s'installer. Et il y a aussi un mouvement. Et il y a aussi une possibilité. Il y a peut-être des brèches. Donc vous connaissez ce sujet-là, il vous intéresse. Et puis à la fin de votre essai, l'expropriation de l'agriculture française, d'une manière plus synthétique et scientifique, vous faites aussi un peu de prospective. Donc j'aimerais vous poser cette double question-là de prospective. Hein. Est-ce que une reconquête finalement raisonnable, raisonnée, sensible de la terre par des paysans nouveaux, avec plus de sens, est possible, envisageable, et comment ? Vaste question, je sais. Oui, encore une autre. Ouais. Bon, juste, je rebondis sur ce que disait Corinne. Moi, ce que j'ai trouvé, ce que je lui disais juste avant qu'on débute, ce que j'ai trouvé tout à fait saisissant et intéressant à la lecture de son roman, c'est qu'en effet, ça part du réel. Il y a une base documentaire qui est perceptible, qui fait aucun doute. Il y a une volonté de monstration de cette base documentaire, parce qu'il y a une bibliographie, ce qui est un fait, au final, assez peu commun dans un roman. Et voilà. Mais cette fiction, construite sur le réel, de mon point de vue, apporte beaucoup de choses, en tout cas pour quelqu'un qui pratique les sciences sociales, parce que Corinne est capable de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire, c'est-à-dire qu'elle elle propose un récit qui fait toute sa place aux affects, alors que nous, on propose toujours, nous, je parle en tant que sociologue, auteur de sciences sociales, on propose toujours des récits, ou bien souvent des récits qui sont assez froids dans une volonté de, d'étayer notre propos dans une démarche prétendument scientifique. Et vraiment, je trouve que... Je trouve que c'est une dimension qui me touche et qui m'importe beaucoup. Pour répondre à votre question... Oui, il y a des... Il nous reste que 4 minutes en plus. Hein, bon. Oui, l'agriculture attire, clairement. Et je pense qu'il y a toujours eu des mouvements... de migration, des campagnes vers les campagnes, des villes vers les campagnes. On peut étayer ça sans grande difficulté à l'aide de l'historiographie. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des personnes qui cherchent à s'installer en agriculture. Il y a un rapport qui a été fait par une association qui est aussi une fondation qui s'appelle Terre de Liens. Ils ont sorti au début de la semaine un rapport pour montrer que il y a des volontés d'installation, mais... grosso modo, il y a toujours ce souci d'accès à la terre qui pêche. Moi, là où je suis profondément pessimiste, si vous voulez, parce que je suis assez pessimiste, c'est que là, on a vécu une nouvelle réforme de la politique agricole commune il y a quelques mois, et que le système qui produit cette destruction du monde agricole n'est absolument pas remise en cause. C'est-à-dire que les incitations à l'accumulation du capital économique, à l'accaparement des terres, ne sont pas remises en cause. À partir de là, moi, j'en discutais avec une personne que j'ai rencontrée qui travaille pour un centre de gestion. Elle me dit, mais les agriculteurs qui vont prendre les terres des voisins, etc., ils se sentent légitimes à le faire. Ils ont pour eux la bénédiction du droit. Ils le font. Il y a des contre-tendances, mais les contre-tendances malheureusement font face à une sorte de rouleau compresseur qui semble vraiment difficile difficile à démanteler. Nous on s'est lancé, ce qui est assez peu commun dans un travail à prétention scientifique, effectivement on a proposé un programme de politique agricole. Donc on a identifié les mécanismes qui produisent l'accumulation, l'expropriation. Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Et on a fait tout un tas de présentations, etc. Puis les gens nous disaient, les forces sociales pour créer cette alliance, pour porter ce programme, où se trouvent-elles?
on les trouve. Et je pense qu'il y a vraiment des volontés au niveau des opinions publiques, au-delà des intérêts constitués. On a parlé de la Confédération paysanne et autres. Mais ça reste marginal. Et puis face... quand on se retrouve face... on a parlé de la FNSEA, c'est une chose, mais à la tête de la FNSEA. Alors la FNSEA, ça regroupe tout un tas de personnes, c'est un peu l'auberge espagnole. Bah, à la tête de la FNSEA, comme le disait Corinne, vous trouvez des personnes qui sont à la tête de groupes industriels, qui bénéficient du soutien de l'État, qui bénéficient du soutien du monde politique. Et... se frayer un chemin dans tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Bon, faut pas perdre espoir. Il y avait une référence, je sais pas si c'était une référence explicite ou pas, à Bob Marley, mais il y a un Get Up Stand Up dans la lettre qu'écrit Jacques Bonhomme. Il dit « Levons-nous, restons debout. Don't give up the fight. » On va devoir finir. C'est ça, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de renoncement. C'est-à-dire qu'il y a le refus d'un modèle, mais il y a autre chose à inventer. Il faudra bien inventer autre chose. Et donc, c'est pour ça que je redis un mot sur ce livre-là, puisque là, vous allez pouvoir les retrouver à la table de signature et découvrir aussi ces prospectives de Mathieu Anzalone en le rencontrant et en discutant, puisqu'il est l'heure de clore. Évidemment, rencontrer Corinne, je pense qu'on a laissé la place qu'il fallait à ce livre, qui est par ailleurs très beau et par plein d'autres aspects. Merci à tous les deux. Il faut merci clore. À 19h, lecture et débat avec Maya Tran, passionnante écrivaine, j'allais dire, c'est suédoise, publiée chez Agulo. Merci à tous les deux. Merci de votre attention. Et bonne suite de festival. Merci.